Coucou les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul des soldes de Kiko. J'ai pas pu résister, je suis retournée en magasin et quand j'ai vu qu'il y avait certaines choses à moins 70% et que ça coûtait vraiment pas cher, je me suis lâchée un petit peu. Donc oui, vous aurez plusieurs hauls des soldes parce que j'ai voulu faire marque, pas voulu tout regrouper sinon ça aurait été très très long. Donc on va commencer par les Perfect Gel Duo. En fait, c'est ceci, vous savez. Il n'y en avait plus énormément en termes de teintes. Mais bon, là, j'ai pris le 679, le Teal, et le 677, le Milk Mint. Et donc, en gros, c'est des tons clairement bleutés. Donc, celui-là vert eau, menthe, et celui-là turquoise. Donc, je ne vais pas les ouvrir, mais c'est ceux qui sont en double avec le gel Top Coat effet gel. Et donc, ils sont vraiment top. Moi, j'en avais un déjà rouge. Framboise que j'aime beaucoup, du coup j'en ai profité. Ensuite j'ai pris justement l'Ultra Glossy Effect Top Coat. Je crois que j'avais vu une revue en fait sur ce Top Coat qui avait l'air pas mal puisqu'il fait aussi l'UV gel effet. Donc du coup j'ai voulu voir un petit peu si c'était vrai ou pas. Donc l'Ultra Glossy Effect Top Coat, le 103. Alors le gel était à 1,70 et les Perfect Gel Duo étaient à 3,90. Ensuite, je vais passer au Endless Love Lipstick. Enfin, c'est pas des lipsticks d'ailleurs, c'est des crayons à lèvres. Et en fait, ils sont passés à 1,10€. Donc en fait, vu que je les avais pas, je me suis dit, les crayons à lèvres, je m'y mets un petit peu en ce moment. Beaucoup plus que par le passé. Donc du coup, j'ai pris le numéro 2. Donc là, c'est clairement un framboise. Il est magnifique, il est très crémeux. Enfin, vous le verrez peut-être pas très bien. Mais là, je viens de passer deux fois et franchement, ça me fait un effet de ouf. Ensuite, j'ai pris le numéro 6. Lui est un peu plus marronné. Voilà, juste à côté, un peu plus marron. Et ensuite, j'ai pris un rose un peu flashy, le numéro 4. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus flashy en termes de rose. Non, parce que le mien, il est plus corail. Donc, je ne pourrais pas vous montrer à côté de celui de Sleek. Donc, voilà. Ça, c'était pour les Endless Love Lip Pen. Ensuite, les Fine Art Lip Pencil. J'en ai pris 4. Donc, je vais les retirer de leur boîte. Et ceux-là, ils étaient à... Alors, si je ne me trompe pas, ils étaient tous à 1,40€. Alors, par contre, ceux-ci ne sont pas automatiques, on va dire. Ils se taillent. Donc, du coup, c'est un petit peu problématique parce qu'ils sont en forme triangulaire et pas en forme ronde. Donc, du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pris le numéro 4, qui est un rouge foncé. Ils sont très crémeux aussi, qui se trouvent ici. Un chouïa différent de la pastille de couleur. J'ai pris le numéro 1. Celui-là, il se rapporte un peu plus à ce que je porte. C'est un rose corail. Et très joli aussi. Ensuite, j'ai pris le numéro 5. Voilà, il se trouve ici. C'est aussi un rose un peu... il est plus bois de rose, celui-ci. Et en dernier, le numéro 3. Et celui-ci, comment vous dire, l'intensité de ce crayon. Il est vraiment trop intense. Et celui-ci irait peut-être avec mon rouge à lèvres, non? Ouais, peut-être. Et franchement, ils sont trop trop beaux. Ils sont trop crémeux. Enfin, après, j'espère qu'ils tiennent vraiment bien. Mais il me semble que j'en avais vu des revues. Et franchement, pour 1,40€. Je me suis pas privée, comme je me suis dit, allez, laisse tomber. Après, j'ai pris le Double Dare Eyeshadow Eyeliner, Eyeshadow and Eyeliner de la collection. C'était la collection quoi? De sport américain, là. Je sais plus laquelle. Et ça, c'est le numéro 6, c'est le anthracite. Mais je l'avais déjà, je vous l'ai déjà montré en fait. C'est un crayon noir anthracite foncé. Enfin, qui tire sur le noir, disons.
et un peu un gris hyper pailleté. Donc je ne vais pas le swatcher puisque je l'ai déjà et je vous en avais déjà fait la revue. Et pour terminer, j'ai pris un Smooth Temptation Lipstick rouge à lèvres en stick, le numéro 1. Et je vous le montre tout de suite. C'est un que je n'avais pas et c'est un nude. Hyper nude quoi. Il est hyper nude et il est très très beau. Moi j'ai adoré. Et celui-là, il m'a coûté 2 euros. Voilà. Et en fait, ça m'étonne pas parce que moi je les avais déjà achetés et je les aime beaucoup. Parce que dans un sac à main, ça prend pas de place et tu sais au moins comment tu vas le mettre quoi. Donc t'as pas besoin de. C'est vraiment. Il est vraiment ergonomique, donc j'aime beaucoup. Donc en gros, voilà ce que j'ai acheté chez Kiko. J'espère que ce haul vous aura plu. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!